Nous remercions et nous félicitons beaucoup ceux qui sont à l'initiative de ce mouvement-là. Alors, c'était mon mot d'ouverture et je m'en vais avec plaisir donner la parole à Monsieur le modérateur. Voilà, bonjour à tout le monde. Tout en espérant que les uns et les autres arrivent à me capter, me suivre. Merci pour l'opportunité que les organisateurs me donnent afin que je modère ce panel qui donne corps à l'atelier 3, dont la thématique est gestion des crises et politique de développement. Il me semble en fait que c'est une thématique qui vient à point nommé parce que nous sommes entourés de plusieurs situations de crise, crise sécuritaire, crise alimentaire, crise sanitaire. Voilà, beaucoup d'encre, beaucoup de pleurs, beaucoup de salive à propos. Et je crois, nous avons foi que les panélistes ou les communicateurs vont. Sans toutefois évacuer, parce que la recherche, elle ne s'arrête jamais, vont toucher du doigt l'essentiel de cette thématique et pour que à la fin, nous ayons quelque chose à capitaliser. Sans trop tarder, je vais passer la parole au premier communicateur qu'on va plus présenter naturellement, c'est-à-dire Monsieur Saïdi Hicham, qui Oui, va je suis. nous parler. Voilà, nous parler de dynamique du prix du pétrole, échange et extérieur et croissance économique au Maroc, une investigation empirique par modélisation vectorielle auto-régressive VAR. Le communicateur a 10 minutes Oui. pour nous donner la quintessence de son travail. Merci bien. Donne la parole. Merci à vous également, Monsieur le modérateur. Bon, avant de commencer ma présentation, je tiens vraiment à vous remercier pour l'organisation de ce colloque international intitulé Défis et perspectives de la recherche scientifique en Afrique. Donc, mon thème de travail, ou bien ma contribution, porte sur la dynamique du prix du pétrole, échange extérieur et croissance économique au Maroc, une investigation par la modélisation VAR autorégressive. Donc, ce travail est présenté par moi-même, M. Hicham Sidi, docteur en sciences économiques et gestion à la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de Meknès au Maroc. Donc, bien sûr, cet article s'inscrit dans le cadre de prolongement d'une étude empirique déjà réalisée et publiée dans la revue de notre faculté. Donc, l'objectif étant d'étudier les répercussions indirectes de la variation du prix du pétrole sur la croissance économique marocaine, en introduisant bien sûr le canal des échanges extérieurs mesuré par le déficit commercial pour la période allant du premier trimestre de l'année 1999 au quatrième trimestre de l'année 2018. Notre thème de travail, bien sûr, va respecter bien sûr l'enchaînement suivant. On va présenter tout d'abord le contexte de la recherche, la problématique, bien sûr, ensuite la méthodologie, les résultats et discussions, et par la suite les limites et perspectives de la recherche. Donc, bien sûr, sur la scène mondiale, le prix du pétrole, bien sûr, est devenu un facteur déterminant pour la croissance économique, tant pour les pays importateurs qu'exportateurs nets du pétrole. Donc, ces variations de ce prix ont l'une des ressources de la non-stabilité de l'économie mondiale. Les pays importateurs nets, bien sûr, souffrent des hausses du coût du pétrole, alors que les pays exportateurs nets en bénéficient et inversement en cas de baisse du cours. Donc, afin de mieux comprendre, bien sûr, ces fluctuations, plusieurs travaux ont été publiés depuis les deux premiers chocs pétroliers de 1973 et 1979 par des économistes et des chercheurs. Bien sûr, ces derniers ont annoncé plusieurs interprétations et explications, parfois complémentaires et souvent contradictoires. L'objectif était d'accorder une attention particulière, bien sûr, au rôle du pétrole dans l'économie et l'impact son prix sur l'économie en général et la croissance économique en particulier. Bien sûr, en premier lieu, ou bien au début des années 80, un consensus relatif est apparu sur la nécessité d'analyser cet impact des variations de ce prix sur du prix des variations du prix de pétrole sur les économies.
les économies, bien sûr, les contributions scientifiques qui ont porté, bien sûr, au début, sur en relation linéaire sur, entre le choc de prix du pétrole et la croissance économique. Par la suite, cette relation est devenue plus ou moins asymétrique, c'est-à-dire ils ont trouvé une relation asymétrique entre le prix du pétrole et la croissance économique, c'est-à-dire que seules les hausses de prix du pétrole qui ont un impact sur la croissance économique, par contre, les baisses n'engendrent pas, bien sûr, une expansion économique. Dans le même sens, bien sûr, l'importance particulière de ce sujet dans l'économie mondiale a donné lieu en évidence les chocs de pétrole et la variation de ces prix sur la croissance. Mais malgré ces contributions importantes sur ce sujet, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'existe pas un consensus relatif sur les différents canaux de transmission identifiés. Bien sûr, les canaux de transmission se changent alors d'un pays à l'autre selon la nature du pays, est-ce qu'il est importateur et exportateur? Bien sûr, et bien sûr, à la degré d'indépendance de ce pays. Les canaux de transmission, bien sûr, déjà bien généralement identifiés, surtout pendant les périodes de choc pétrolier, normalement, il y est principalement au transfert de revenus, c'est-à-dire que les pays exportateurs excluent des revenus de la hausse du prix du pétrole, bien sûr, engendre des pressions inflationnistes sur les importateurs, bien sûr, une pression également sur les dépenses publiques, bien sûr, pour les pays importateurs, ce qui paye plus, parfois, ils engendrent ou bien faire recours à des crédits pour, bien sûr, satisfaire leurs besoins en matière des énergies. Bien sûr, la balance commerciale représente en effet une variable macroéconomique importante qui a pour objectif de garantir la croissance économique et qui est bien sûr considérée comme étant parmi les canaux de transmission identifiés dans la revue de littérature. Bien sûr, le cas de l'économie marocaine, bien sûr, notre pays a engendré depuis 2013, une indexation, bien sûr, partielle et limitée de la subvention des prix de pétrole, ce qui, dont le but est d'alléger des pressions sur les dépenses publiques, sur les finances publiques, et dans le but de réduire, bien sûr, le déficit de la balance commerciale et également le maintien de la croissance économique. Mais c'est bien sûr ce système d'indexation n'était pas bien préparé suite à bien sûr, des plusieurs limites au contexte national. Suite, on peut citer la liquidation de la seule raffinerie qui existe au Maroc et bien sûr l'absence de rôle de conseil de concurrence qui a pour objectif de maîtriser bien sûr les prix sur le marché national. Donc, notre problématique vise bien sûr à répondre à cette question. En quoi la variation du cours pétrole sera-t-elle en mesure d'impacter via le canal des échanges extérieurs, la croissance économique au Maroc? Donc, cet article, nous nous intéressons à l'analyse de l'effet de la variation du prix du pétrole sur la croissance économique marocaine via le canal des échanges extérieurs. Donc, la traduction de la balance commerciale est utilisée, bien sûr, dans la littérature empirique. Nous pouvons, bien sûr, citer des travaux bien sûr, réalisés dans des économies importatrices nettes du pétrole, par exemple, le travail de Diop en 2007, qui a inclus, bien sûr, la balance commerciale, bien sûr, d'autres travaux comme celle de Saïda Nzaman, et bien sûr, d'autres qui ont introduit, bien sûr, les déficits commerciaux dans leur régression et ont trouvé bien sûr une relation significativement négative entre la variation du prix du pétrole et les variations des échanges extérieurs. Donc, pour ce faire, nous commençons notre analyse tout d'abord par, Nous bien rappelons aux sûr, auditeurs avant, je vais vous que présenter qu'il bien faut sûr les aller aux résultats et discussions. Je vais aller. OK. La présentation, bien sûr, de notre méthodologie, on va mobiliser, bien sûr, la modélisation var autorégressive. Par la suite, on va faire des estimations des modèles et choix de variables. Et par la suite, le résultat de tests scénarité. Et par la suite, on va faire les résultats des estimations, bien sûr, des modèles. Donc,
Nous avons tout d'abord, bien sûr, afin, bien sûr, de passer, nous avons passé par l'ensemble des étapes citées dans ce diapo, bien sûr, détermination de l'ordre optimal, l'estimation par le modèle, l'analyse de la pertinence du modèle, et par la suite, nous avons passé, bien sûr, à l'interprétation et l'analyse, bien sûr, des résultats par le test de causalité, l'analyse intuitionnelle, la décomposition des variables. Bien sûr, les résultats, bien sûr, qui ont été démontrés, bien sûr, dans les tests de causalité, bien sûr, ils ont conclu que la variation, bien sûr, du prix du pétrole linéaire impacte directement et significativement le déficit commercial. Cependant, ces effets significatifs ne sont pas transmis indirectement à la croissance économique. Puisque le déficit commercial ne cause pas, bien sûr, le PIB marocain. Par conséquent, nous ne pouvons pas considérer, bien sûr, dans ce résultat, que le déficit commercial considéré comme un meilleur canal de transmission des effets de choc indirect de variation du prix du pétrole à la croissance économique. Bien sûr, ces résultats, bien sûr, peut-être, bien sûr, expliqués par plusieurs interprétations, par le fait, bien sûr, que la part importante de la facture énergétique sur la valeur des importations marocaines et l'évolution remarquable passant bien sûr de 6 millions de tonnes concernant la consommation de tonnes en 2002 à 11 millions de tonnes bien sûr en 2016 sur la consommation pétrolière, soit une évolution presque de 55%. En plus, bien sûr, le Maroc est un pays bien sûr importateur net de pétrole, donc toute variation négative de pétrole avoir des chocs positif sur le volume des importations et les déficits commerciaux, sans bien sûr que cet effet direct sera bien sûr transmis à la croissance économique. Donc, pour conclure, nous avons bien sûr dans ce travail bien sûr à compléter l'étude empirique déjà publiée, mais donc les résultats bien sûr ont démontré que la variation linéaire de prix de pétrole impacte directement et significativement le déficit commercial sans que cet effet direct aura bien sûr de répercussions sur bien sûr le PIB marocain. Donc, la problème, bien sûr, ce sujet porte bien sûr quelques limites liées également à la partie théorique qui n'a pas bien discuté les transmissions de chocs pétroliers dans les pays importateurs et surtout pour le cas du Maroc. Bien sûr, les séries temporelles adoptées demeurent relativement courtes par rapport aux études empiriques de référence réalisées. Ceci est dû bien sûr à la base, bien sûr, à la manque bien sûr des références sur notre pays et surtout des séries qui sont trimestrielles. Mais les séries annuelles sont bien sûr disponibles, mais nous avons bien sûr dans notre étude travaillé avec des séries trimestrielles dont la référence de base est limitée sur notre pays et commence par l'année de 1990. 8, mais avant cette année, il n'existe pas, bien sûr, des références. Bien sûr, la problématique de ce sujet peut être, bien sûr, traitée dans le cadre des modèles économétriques plus développés, bien sûr, à condition d'avoir des données complètes pour une meilleure analyse de cette problématique. Citons par exemple le traitement de cette problématique entre deux pays émergents et en s'appuyant, bien sûr, sur les données de panel. Donc, notre présentation touche à sa fin. Merci pour votre attention. Merci bien pour avoir respecté le timing. Sans tarder, on va passer, s'éterniser naturellement sur le résumé. Mais voilà, il en ressort que le phénomène présenté est assez impactant sur le cas du Maroc en termes de choc pétrolier. Le communicant a aussi présenté quelques limites d'ordre théorique et puis par rapport aux séries, à la série temporelle. Et puis, naturellement, ce qui nous permet de dire que voilà, c'est une mise en perspective parce qu'il faudra dépasser ces limites à l'avenir. Et puis, il nous dit aussi que les études qu'il a menées sont extrapolables et extrapolables pour
le reste des pays qui exportent le pétrole. Ceci dit, étant donné que les échanges sont réservés pour la fin de communication, nous passons au second communicateur, du moins ce groupe de communicateurs, qui sont Diegama Kofi, Boudou Maintre et Sokemaou Koudjo. Voilà. Et qui vont nous entretenir sur contribution et redéfinition de la notion de ville au Togo. Vous avez la parole. Bien, merci. Je me présente, Diegama Kofi. Je suis donc du laboratoire à l'ARDIMES de l'Université de Lomé. Docteur, il faut partager l'écran. OK. Je vais partager. Voilà, tout en sachant, en ayant l'idée que c'est 10 minutes de communication. Merci. Voilà. Je suis. C'est une communication qui est relativement différente de la précédente, mais qui porte sur un sujet qui concerne également la crise qui survient actuellement en Afrique subsaharienne. Donc, j'ai travaillé avec mon collègue Boudou Mitré et le professeur Sokemaou, qui est le directeur de recherche au LARDIMES. Et moi-même, je suis architecte urbaniste. Donc, voilà. Alors, dans la présentation, nous allons exposer rapidement une introduction et la méthodologie adoptée, les principaux résultats obtenus, ainsi que des conclusions qui nous permettront d'apporter un début de solution à la problématique que nous avons amorcée. Il faut dire que la transition urbaine en Afrique subsaharienne est dans sa phase décisive. Ainsi, nous avons dans la plupart du pays un basculement de la majorité de la population du rural vers l'urbain. Toutefois, il faut considérer que ce phénomène n'est pas bien perçu et il n'est pas bien analysé parce que l'appréhension même du fait urbain en Afrique est encore sujet à de nombreuses polémiques. Et dans ce cas, eh bien, les politiques publiques risquent d'être en déphasage avec la réalité des villes africaines. Ce pourquoi cette communication a essayé, n'est-ce pas, d'actualiser la compréhension de la notion de ville dans un pays d'Afrique subsaharienne qui est le Togo, un pays côtier qui est également donc sur le littoral ouest-africain et qui est amplement concerné par la dynamique d'urbanisation. Bien, la méthodologie adoptée a consisté simplement à confronter des politiques et pratiques avec des réalités et dynamiques. Cela en suivant un itinéraire assez simple qui consistait en trois étapes. D'abord, une revue des différentes approches, ensuite un essai d'inventaire des différentes agglomérations et une mise en perspective qui nous a permis de définir de nouvelles approches pour apprécier la ville. Alors, en termes de résultats, nous pouvons noter d'abord que au Togo, la notion de ville est une notion à polémique. Parce que la définition primitive de la ville est basée sur la pratique coloniale qui attribuait le statut de ville à des localités définies administrativement. Ainsi, nous avons une approche qui ne répond pas aux critères pratiqués sur le plan international, qui tiennent compte aussi bien de la morphologie de la ville que de la démographie ou encore de la structure économique. Cette approche prive certaines agglomérations de ce statut, malgré qu'elles ont déjà atteint le niveau de ville. Et cette approche également présente le Togo comme un pays faiblement urbanisé, alors que les agglomérations ayant des caractéristiques qui peuvent répondre aux critères de la ville sont un trait dominant du paysage. Ainsi, nous avions en 2010. Et ces données ont été récemment actualisées, mais les tendances sont les mêmes, une armature urbaine assez diversifiée, avec des agglomérations dont la taille varie, n'est-ce pas, de 2 000 à plus de 1 million d'habitants dans le cadre de la ville capitale. Ce que l'on peut dire, c'est qu'en 2010, on avait seulement 35% de la population qui vivait dans une agglomération de moins de 2 000 habitants.
Et ce qui nous a intéressé particulièrement, c'est le cas des agglomérations de 5 000 à 2 000 habitants qui ont quand même abrité plus de 16% de la population et qui constituent donc cette frange de l'armature urbaine qui n'est pas considérée comme ville tout en ayant les caractéristiques. Alors, nous avons donc un pays où plus des deux tiers de la population vit dans une ville de plus de 2 000 habitants, mais dont le taux d'urbanisation officiel est de 42%, ce qui signifie qu'il y a effectivement un gap entre l'urbanisation réelle et l'urbanisation qui est affichée par la politique publique. Cela nous amène à nous intéresser aux petites villes qui sont un maillon essentiel dans l'armature urbaine, étant décrit notamment par Giraud comme étant eh bien, des agglomérations qui participent à la structuration des terroirs et qui favorisent une urbanisation par le bas. Ces agglomérations, effectivement, en étudiant leur structure, on se rend compte qu'elles sont caractérisées par une économie en mutation. Le secteur primaire représente désormais moins de la moitié de la population active. Dans certains cas que nous avons étudiés, ce secteur représente même moins de 30%. La plupart des actifs dans cette agglomération sont plutôt dans la transformation des produits agricoles ou encore le conditionnement et la commercialisation à travers des processus de mécanisation plus ou moins assimilés. Ce qui nous fait dire que les agglomérations du Togo qui ont plus de 2 000 habitants et qui sont relativement nombreuses, autour de 400, doivent être reconsidérées dans l'appréciation générale de l'aménagement du territoire. Cette situation va nous amener à proposer, en termes de conclusion, eh bien, de nouveaux critères pour définir la ville et la classifier. Ainsi, nous retenons comme critère le critère démographique. Il est important, selon nos observations et analyses, de considérer que le seuil de 2 000 habitants peut permettre d'accéder au statut de ville dans la politique publique. Et sur le plan administratif, il est important de considérer que les chefs-lieux, y compris des communes et des cantons, peuvent accéder au statut de ville. Il est également important de considérer un critère économique relatif à la diversité de la structure de l'économie locale, à la présence d'un marché, c'est-à-dire d'un pôle commercial à animation hebdomadaire et de rayonnement conséquent. Ces critères-là permettront d'approcher de manière plus réaliste la notion de ville dans le territoire togolais. Enfin, il est nécessaire de considérer un critère administratif et plutôt morphologique. Ce critère-là est relatif donc à l'aspect physique de l'agglomération qui doit être défini à partir d'une aire de bâti aggloméré dans un rayon de 1 km au moins, tout en ne considérant pas uniquement l'architecture moderne, parce que nous devons également avoir à l'esprit que le patrimoine architectural est composé également de l'architecture traditionnelle qui peut aussi avoir un caractère urbain. Donc, ces approches-là, eh bien, nous permettront dorénavant de considérer une armature urbaine assez diversifiée dans laquelle nous allons considérer plusieurs niveaux d'agglomération, notamment les hameaux, les villages, les bourgs, les centres semi-urbains, etc., etc. Et l'attention est portée notamment sur les bourgs, les agglomérations de 2 000 à 5 000 habitants, qui sont quand même très importantes et qui peuvent être, en étant soutenues par des politiques publiques, améliorer non seulement la production agricole, parce que ces agglomérations étant dans les terroirs ruraux, sont les points de collecte, de transformation, de conditionnement et d'évacuation des produits agricoles. Un niveau d'équipement suffisant permettra d'agglomération de contribuer davantage au développement du pays. Enfin, nous avons un certain nombre de villes moyennes qui sont déjà considérées comme villes et qui permettront
donc à la structure du territoire de se développer. Donc, en conclusion, on peut dire que cette proposition de critères pour identifier et classifier les agglomérations du territoire togolais peut servir de base aux politiques publiques en vue de prendre efficacement en compte le processus d'urbanisation et ses effets. Et la politique donc, d'aménagement du territoire, pour accroître leur efficacité, pourront s'adresser à l'ensemble des agglomérations du pays, tenant compte des forces et faiblesses de chacune d'entre elles selon et la classification que nous avons dressée en fonction de leur catégorie. Cette approche permettra également d'atténuer le déséquilibre territorial induit par l'approche héritée de l'époque coloniale, qui consistait à traiter des territoires, des terroirs et localités selon des principes administratifs qui paraissent artificiels et sont généralement en contradiction avec la dynamique intrinsèque du territoire. Donc, la réflexion que nous avons menée et nous a permis donc d'arriver à cette conclusion-là et de proposer une nouvelle approche. Toutefois, ce travail présente quelques limites, étant donné que la nature de la statistique dont nous avons disposé, qui est essentiellement fondée sur les recensements ainsi que des travaux, nous permet d'améliorer davantage le travail. Merci pour votre attention. Voilà, merci à vous, Monsieur Diego Makofi, porte-parole du trio qui nous présente le thème sur la contribution et la redéfinition de la notion de ville au Togo. Il faut remarquer que des deux communications qui se sont déroulées, il y a un effort en termes de respect du timing, le débordement est jusqu'ici d'une à deux minutes et je crois que avec cette logique, ça pourrait aller. Voilà, en termes de synthèse, très rapidement, je retiens un peu ce qui a été présenté dans les résultats et puis dans la conclusion, c'est que la notion de ville au Togo est polémique, que l'armature urbaine présente un faciès diversifié, qu'il y a une question qui se pose, celle de savoir si le Togo est un pays rural ou un pays déjà urbanisé. Et je crois que c'est une question rhétorique parce qu'il faudrait peut-être dire que c'est un processus. Et dans la conclusion, nous retenons qu'il faudra de nouveaux critères pour définir ou considérer la ville au Togo. Donc, le critère démographique, le critère administratif, le critère économique et enfin le critère morphologique. On y reviendra dans la phase des échanges. Ce qui nous permet de passer la parole à M. Jean Jaffet Emmanuel, qui va nous entretenir sur les dynamiques endogènes et exogènes des crises sociopolitiques en Afrique, analyse des politiques de développement et de gestion de crise. Monsieur, vous avez la parole. 10 minutes. Merci beaucoup, professeur, pour la parole accordée. Je ne sais pas si mon écran il est visible, parce que j'ai essayé de faire le partage ici. Je ne sais pas si tout le monde voit mon écran. En tout cas, moi, je vois. Ah, okay. Merci beaucoup. International, transdisciplinaire, du CRAC et tout, thème, okay. Défis et perspectives de la recherche en Afrique. Voilà. OK, merci beaucoup, professeur. Donc, je tiens tout d'abord à vous remercier et aussi à remercier le comité d'organisation, ainsi que le comité scientifique, de l'honneur que vous m'accordez en me présentant et à m'exprimer dans ce panel, là où il y a des éminents chercheurs, tandis que nous ne sommes que des faibles doctorants. Et donc, je suis M. Emmanuel Jean Jaffet, doctorant en sociologie politique à l'Université de Douala. Et je suis Congolais de Brazzaville. Non, le doctorat donc, n'est pas faible. Vous n'êtes pas qu'un faible doctorant. OK, voilà. Merci beaucoup, professeur. Merci okay. beaucoup. Merci. Et donc, le plan de mon travail est présenté de la manière suivante. Je vais introduire par le contexte et la problématique, et ensuite,
je vais aborder le cadre théorique et méthodologique qui m'ont finalement permis d'aboutir aux résultats que nous vous présenterons et ensuite nous allons conclure. Mais donc rapidement, nous allons dire ce qui suit, que l'Afrique, bien évidemment, après le soleil des indépendances, elle est appelée à faire face à un nouveau défi. Mais donc le défi qui est en train de miner actuellement l'Afrique, ce sont les crises sociopolitiques. En effet, du 6 avril au 4 juillet 1994, un nombre important de Rwandais sont massacrés, soit environ 800 000 Tutsis. En 2011, la Libye est affectée par la guerre civile. Le feu président Muammar Kadhafi tire sa révérence. La République centrafricaine, depuis son indépendance, connaît une instabilité sociopolitique. Le Mali, la Guinée-Conakry, le Burkina Faso sont touchés par des coups d'État entre 2020 et 2022. Trois présidents africains tombent en 2 ans. La République démocratique du Congo est éprouvée par des atrocités, d'où l'insécurité au Kivu. Depuis le 15 mars 2023, le Soudan est victime d'une guerre civile opposant l'armée au pouvoir dans le pays et les forces paramilitaires. L'Occident, d'une manière ou d'une autre, on sait, joue toujours un rôle dans les différentes crises que nous venons donc de mentionner, parce que l'interventionnisme occidentaliste, elle est toujours omniprésente. Et il convient de noter que les conflits freinent le développement du continent, donc les conflits des crises sociopolitiques et les aides humanitaires occidentales dans les pays africains en période de crise. Mais donc, c'est ça même qui explique, parce que si l'Occident joue un rôle dans les crises sociopolitiques en Afrique, il convient quand même de noter que nous avons une forte présence des aides ou encore des organisations humanitaires occidentales en Afrique et ils interviennent par l'intermédiaire donc des aides humanitaires. Toutefois, ces aides sont tantôt motivées par des enjeux géostratégiques bien précis. L'exploitation des ressources africaines, c'est là l'enjeu même majeur que nous allons développer dans notre travail. L'absence du consensus entre les partis politiques des États africains, la marginalisation des classes minoritaires, l'ethnicité alimentent parfois les différents conflits que nous rencontrons en Afrique. Dès lors, il convient donc de s'interroger sur les dynamiques des crises sociopolitiques afin de mieux analyser la gestion de ce fléau qui frappe le continent en ce troisième millénaire. En effet, le développement du continent dépend essentiellement de l'éradication de ces fléaux, parce que si nous avons des crises sociopolitiques et tout, il sera quand même difficile que l'Afrique puisse connaître un développement efficace. Je n'ai pas envie de dire un développement durable. D'où l'interrogation qui suit. Comment donc gérer les crises sociopolitiques africaines qui présentent des dynamiques tant complexes? Alors, pour analyser notre travail, nous avons donc mobilisé la théorie sociologique du conflit social de Lewis Alfred Kosser et une théorie des relations internationales, à savoir le réalisme, qui était défendue par Hans Morgenthau, Raymond Aron et bien d'autres. La théorie du conflit social nous a permis de faire une lecture sur la nature et l'échelle du conflit. Le réalisme a favorisé de mettre en lumière le caractère égoïste des acteurs politiques sur la scène internationale, où la quête de la puissance est la règle. Cela nous a conduit aux hypothèses suivantes. D'où nous avons proposé une hypothèse disant que l'Afrique doit s'unir pour éradiquer le phénomène des crises sociopolitiques. L'Afrique doit réviser ses accords de coopération avec l'Occident en matière de l'aide humanitaire. Le développement en Afrique dépend essentiellement de la gestion des crises que traverse le continent, comme nous l'avons su dit. Et alors, sur le plan méthodologique, il convient de souligner que nous avons mené une étude qualitative en choisissant la méthode hypothético-déductive en prenant appui, bien évidemment, d'une documentation variée, comme des thèses et mémoires, des ouvrages et des articles scientifiques. C'est alors que nous avons fait une analyse synthétique des données que nous avons pu collecter. Les résultats ont montré que les crises sociopolitiques en Afrique sont d'ordre endogène, de fait de l'ethnicité et de la marginalisation des classes minoritaires dans les États africains, ce qui engendre le conflit social, à l'instar du génocide au Rwanda, de la crise sociopolitique centrafricaine et même aussi de la crise sociopolitique au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun, au Nozo. L'ethnicité est donc un vecteur très puissant que les États africains doivent considérer. Elle constitue une menace qui pèse sur l'Afrique. Les États africains sont donc confrontés au défi de l'intégration sociopolitique des minorités ethniques. Les conflits sociopolitiques en Afrique sont liés à la potentialité des richesses
que le continent regorge principalement les ressources naturelles, ce qui traduit la lutte des classes sociales, d'où le phénomène des coups d'État. Les crises sociopolitiques africaines sont d'ordre exogène. En effet, les puissances étrangères sont traversées par la convoitise des ressources naturelles africaines, ce qui explique leur rôle dans les guerres civiles africaines. Dans la naissance d'un conflit, le principe est bien simple. Jacques Baud est en train de nous montrer que le principe est donc de créer le problème en armant ou encore en provoquant le groupe ou un parti et le pousser à adopter une posture violente, générer une réaction dans l'opinion publique et dans la classe politique par de la désinformation ou encore en diabolisant le gouvernement pour le rendre particulièrement odieux, proposer une solution pour résoudre le problème. Le conflit libyen, la guerre au Kivu, la crise centrafricaine constituent là des preuves indéniables. Alors, cette manipulation favorise la forte concentration des organisations humanitaires occidentales en Afrique, dont l'enjeu est l'exploitation des ressources africaines par des accords de coopération, d'où les conflits armés continuent à sévir le continent, bien que l'Afrique soit une terre de mission des opérations de maintien de la paix que j'appelle les OMP. Les crises sociopolitiques africaines ralentissent le développement du continent. Elles emportent le capital humain, les infrastructures, en tout cas, elles emportent tout le nécessaire qui est susceptible de développer le continent. L'intérêt donc de faire taire le langage des armes sur le continent est motivé par le souci du développement. La sortie des crises devient le socle même du développement du continent. Compte tenu de l'échec des OMP, de l'égoïsme des acteurs occidentaux sur le continent, nous proposons donc une organisation humanitaire africaine à caractère international pour la prévention et la gestion des conflits. Et nous savons que si nous avons plusieurs organisations, nous allons donc nous entraîner encore dans les luttes et autres, et ça va plutôt désunir l'Afrique au lieu plutôt de l'unir. Cela donc conduit à une africanisation de la gestion des crises sur les continents, car faut-il le noter qu'il n'est jamais trop tôt pour l'Afrique, comme le disait le professeur Tofilo Benga, d'écrire son histoire, mais donc il n'est jamais trop tôt pour l'Afrique, d'écrire l'histoire de l'Afrique en Afrique pour les Africains. Et donc nous appelons les États africains à élaborer et à valoriser les politiques de lutte contre la désinformation. Au terme donc de notre analyse, il convient de noter que les crises sociopolitiques africaines sont donc d'ordre endogène et exogène. L'unique voie de sortie pour le continent est une africanisation de la gestion des crises africaines. Ces crises sociopolitiques sont des problèmes propres à l'Afrique dont elle peut trouver des solutions sans toutefois solliciter de l'aide occidentale. Et donc, sachant que toute œuvre humaine, elle est imparfaite, nous voici donc au terme de notre présentation. Sur ce, je vous remercie, professeur. Bien, merci bien. Et voilà que ce n'est pas seulement le travail d'un faible doctorant. Voilà. Et donc, voilà, et en synthèse, nous pouvons, et cela est déjà contenu dans le titre de la communication, que les crises que nous vivons en Afrique sont d'ordre à la fois endogène et exogène, que voilà, l'une des causes, par exemple, c'est l'accès aux ressources, parce que les ressources, peu importe leur nature, sont généralement à la base de beaucoup de conflits. C'est fort à propos d'ailleurs que la théorie du conflit social a été convoquée par le communicant. Il y a à se poser comme question le rôle véritable des partenaires occidentaux. Et voilà, le communicant n'est pas allé par deux chemins pour dire que ce rôle est souvent assez trouble et complice. Une proposition est faite donc immédiatement, c'est-à-dire l'organisation humanitaire africaine ou encore l'africanisation de la gestion des crises africaines. Ceci dit, nous allons embrayer sur la communication suivante, c'est-à-dire crise alimentaire et mécanismes de gestion de vulnérabilité. L'exemple de la distribution gratuite ciblée, DGC, et le cash transfer City au Niger. Le porte-parole. Ah, voilà, c'est une communication en deux voix ou à une voix. Je pense que c'est Ibrahim Malam. Vous avez la parole. Et nous vous, s'il y a une communication à présenter, nous vous invitons à partager l'écran.
Vous avez 10 minutes. Vous me percevez? Il semble ne pas être présent pour ce, donc vous avancez. Ah, voilà. Si tel est le cas, nous donnons la parole à Andrian Parani Fitayana, doctorante en anthropologie, qui va nous entretenir sur le rôle et engagement de la population dans le développement d'une nation, cas d'une plateforme de développement à Madagascar, approche anthropologique naturellement. Madame, vous avez la parole. Oui, bonjour professeur, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je suis en train de partager mon PowerPoint. Comme mes collègues de tout à l'heure, le comité d'organisation et le comité scientifique de m'avoir permis de présenter les résultats de mes recherches sur le thème du rôle et de l'engagement de la population dans le développement d'une nation. Il s'agit donc ici du cas de d'une plateforme de développement à Madagascar qui s'appelle AFK. Et en tant qu'anthropologue, donc, je présente dans l'article que j'ai envoyé mon article sous forme de recherche anthropologique. Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Donc, je suis Fitayina Njea Parani, doctorante en anthropologie des organisations au sein de l'EAD5 à l'Université d'Antananarivo. Je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre. Oui, on vous capte bien. Oui, d'accord. Oui, on vous suit. Oui, je vous remercie. Donc, je vais tout de suite passer au vif du sujet, vu qu'on n'a que quelques minutes. Alors, je vais donc présenter la situation à Madagascar en termes de développement. Donc, à Madagascar, nous sommes dans une situation assez équivoque. Je me suis basée principalement sur l'ouvrage de Rassaf Njaku Teol intitulé « L'énigme et le paradoxe » où il compare donc la trajectoire socio-économique de Madagascar avec d'autres pays africains d'après des indicateurs comme l'histoire, la situation géographique, la politique, l'économie. Donc, d'après le schéma que vous voyez là, depuis l'indépendance, donc en 1960, ils ont donc comparé Madagascar avec d'autres pays africains comme la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, l'Afrique subsaharienne, le Cameroun ou encore le Bénin. Donc sur l'image, en gras, nous avons donc le parcours de Madagascar depuis l'indépendance en 1960, comparé aux 5 autres pays qu'ils ont cités. En fait, on voit qu'il n'y a pas vraiment eu de décollage par rapport à l'économie de Madagascar. Et donc, ils se demandent pour quelles raisons est-ce qu'on a eu ce déclin, on a ce déclin économique. Donc, ils disent que ce sont pour la plupart des anciennes colonies françaises. Donc, Madagascar également est une ancienne colonie française, ce qui ne justifie pas la situation de paupérisation continue du pays. Également, la situation géographique. Madagascar figure parmi les 5 pays possédant le plus grand nombre de faune et de flore à travers le monde. Et ils ont également comparé donc les politiques économiques et la gouvernance du pays qui, semble-t-il, influencer la pauvreté, mais ne suffit pas à justifier la situation à Madagascar. Et donc, à travers l'ouvrage, donc, ils ont affirmé qu'il y a une part de responsabilité de la population. Effectivement, à travers les recherches que j'ai effectuées, principalement dans les organisations malgaches, il y a effectivement un rôle joué par la culture dans
dans le blocage, donc dans la paupérisation continue du pays. Je n'aurai peut-être pas le temps d'approfondir ici la notion du FIAVAN, mais je citerai juste donc, que nous avons comme base culturelle malgache le FIAVAN, qui semble influer sur le comportement du malgache. Et dans certains cas, donc, on voit que c'est une des causes de la pauvreté à Madagascar. Donc, il s'agit du cas de la plateforme de développement AFK. J'ai intégré l'association à partir de 2018, mais depuis sa création en 2016, j'ai remarqué que 152 personnes se sont inscrites aux activités de l'association et très peu de personnes sont vraiment actives dans l'association. Dû à ce manque de ressources humaines, très peu d'activités ont pu être réalisées par les membres. Je vais expliquer un petit peu, décrire un petit peu l'association AFK. En fait, c'est une association à but non lucratif qui a pour objectif de développer les compétences de chaque malgache, donc leurs talents, etc., pour faire face à la pauvreté qui existe à Madagascar. Voilà. Et à travers l'étude que j'ai menée au sein de la plateforme de développement, donc j'explique un petit peu la méthodologie que j'ai appliquée, principalement une méthodologie qualitative où j'ai utilisé l'observation participante et les entretiens donc à travers depuis 2018 jusqu'en 2023. Voici les résultats de l'étude. Beaucoup des membres donc, qui s'inscrivent au sein de l'association s'attendent à une contrepartie financière dans les projets de développement. Je remarque également un manque d'initiative parmi les membres et également une difficulté à se projeter, c'est-à-dire que les membres de l'association, en fait, ils se disent que ce n'est peut-être plus possible de développer le pays parce que j'ai essayé de justifier cela par rapport à notre conception du temps qui est davantage cyclique, c'est-à-dire qu'on a de la difficulté à nous projeter à long terme. Et j'ai repris ici, donc, on avait fait une enquête concernant les raisons pour lesquelles les membres s'étaient inscrits à l'association. Donc, pour l'année 2020, on avait eu 38 membres qui s'étaient inscrits. Parmi eux, 15 se sont positionnés pour qu'ils attendaient une aide financière et matérielle de l'association. 7 ont dit qu'ils voulaient développer ensemble le pays. 5 qu'ils voulaient partager, former et partager leurs connaissances. 4 voulaient réaliser leurs objectifs personnels. Une personne a dit qu'il recherchait un emploi. Et les 3 autres personnes ont dit qu'ils voulaient être accompagnés dans la réalisation de leurs projets, le développement de leurs talents et recevoir des conseils. Voilà. Et donc, pour conclure, je pense que je rejoins donc ce qu'a dit mon collègue de tout à l'heure. La solution se trouve parmi la population même malgache ou africaine. On a besoin de faire connaître à tous que nous avons nos propres valeurs, qu'il faut qu'on ait davantage un amour de notre culture et qu'on puisse donc se positionner par rapport à notre rôle en tant que citoyen. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Voilà, merci à vous, Madame Andrea Parani. Diana, pour le rendu assez concis. Naturellement, dans l'optique que les actes soient publiés après, et là, c'est une interpellation en direction des organisateurs, c'est là que naturellement tous les travaux vont se déployer dans toutes leurs formes et les contenus. Voilà. Et le peu que nous retenons ici, c'est que voilà, le constat de départ, c'est que la situation à Madagascar en termes de développement est équivoque. Ceci
dû à quelques facteurs d'ordre historique, d'ordre géographique, d'ordre politique, des politiques économiques et de la gouvernance, mais aussi des facteurs de cause culturelle. La communicatrice a évoqué le Fiavana, si je n'écorche pas du point de vue de la prononciation, et j'ai bien vu en dessous là, on y reviendra peut-être pendant les échanges, la solidarité, l'amour, etc. La première question déjà en projection, c'est est-ce que c'est là s'apparente à l'Ubuntu. Voilà. Ceci, en laissant le temps à la communicatrice d'y réfléchir, on va passer à la dernière communication. Cause et effet, des disparités comparatives entre Lomé et les chefs-lieux des régions. Une fois de plus, je vois Monsieur Djegema Kofi, mais au premier nom, c'est Boudou Maintre et Soké Mawu Poudjo. Excusez-moi pour la prononciation. Et voilà, nous allons écouter le porte-parole qui aura 10 minutes pour nous présenter l'essentiel de leur réflexion. Merci bien. Excusez-moi, professeur. En fait, le collègue Boutou Maintre, il est indisponible et il avait demandé. Et constater que c'est la fin des présentations dans le cadre de cet atelier gestion des crises et politiques de développement, panel 11. Naturellement, nous passons donc, si les organisateurs en ont convenance, nous passons à la phase des échanges. Oui, bien sûr. C'est quoi le format? Oui, professeur, vous pouvez continuer la modération jusqu'à la fin de vos panels. Donc, c'est la Oui, phase des échanges, c'est vous qui modérez. absolument. Donc voilà, Donc, nous allons retenir. Voilà, chaque intervenant devra indiquer le destinataire ou la destinataire de la question posée. Et il faudrait bien que la question soit assez claire et concise pour que ça nous permette d'y répondre. Nous avons gagné en temps parce que nous Donc, nous allons passer la parole, bien évidemment, en attendant que le professeur se connecte, à Monsieur Jean Devetel pour sa question. Vous prenez la parole, vous mentionnez, vous indiquez à qui s'adresse la question et vous posez votre question. Je vous remercie, Monsieur Jean, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole. Ma question est adressée, j'ai deux petites questions. Ma première question est adressée au doctorant, faible dans ses déclarations, mais fort dans son contenu sur ce qu'il a présenté. Quand il parle de l'africanisation dans les pistes de solutions pour trouver des solutions aux conflits qui rongent l'Afrique, alors, qu'est-ce qu'il préconise par rapport à cette même mise occidentale sur les pays africains dont le néocolonialisme, nous le savons, a pris une autre tournure? Et puis, qu'est-ce qu'il faut exactement pour sortir de cette situation? Parce que nous sommes toujours extravertis, tournés vers l'extérieur. Est-ce que nous avons la capacité de nous autogérer et puis de prendre nos propres responsabilités en dehors de cette aide qui a été évoquée? La deuxième question s'adresse à ma collègue, l'anthropologue malgache, doctorante.
Elle a parlé dans cette méthodologie de l'observation participante, des entretiens. Alors, ma question, si elle est, elle aussi, malgache, est-ce qu'elle n'a pas éprouvé des difficultés dans le sens que dans cette observation participante, elle-même, en tant que native de Madagascar, qu'elle ait des partis pris ou une certaine consonance par rapport à la validité de ce qu'elle a fait. Comment s'est-elle départie de cet aspect des choses? Parce qu'on sait que quand on est natif, il y a certaines observations qui peuvent paraître subjectives. Merci. Voilà mes deux petites questions aux amis qui ont communiqué. Merci, Monsieur Jean Buitel, de vos questions. Passons la parole à Monsieur Wilfried. En attendant, nous appelons Monsieur le doctorant et l'anthropologue. Nous appelons à se préparer déjà pour les réponses. Nous passons la parole à Monsieur Wilfried pour sa question. Vous avez la parole, Monsieur Wilfried. Okay. Merci, professeur. Merci aux communicants. Ma préoccupation s'adresse aussi aux doctorants, aux deux doctorants, sociologues et anthropologues. Et la première préoccupation aux sociologues qui a exposé sur la gestion des conflits en Afrique. Et ma préoccupation se situe précisément au niveau de méthodologique. Et j'ai cru entendre une étude hypothético-déductive. Et bien avant, il a parlé d'une étude qualitative de type hypothético-déductive, dont j'avais un peu une confusion entre qualitative et hypothético-déductive. Voilà, en termes d'approche méthodologique en question. Et aussi, par rapport à ces résultats, il a parlé de, comment on appelle, des causes endogènes et exogènes. Mais en parlant encore de l'africanisation, de la gestion des crises, est-ce que dans la mesure où les causes sont exogènes, est-ce qu'on peut seulement peut-être africaniser la gestion des crises qui sous-tend une approche, on va dire, endogène? Et pour terminer, bon, la démarcation, j'allais dire, un peu scientifique, objectif de ce que nous entendons dans le commun de mortels, est-ce qu'il est arrivé à faire un peu cette démarcation-là, j'allais dire plus poussée, parce que j'ai comme l'impression que les spéculations que nous entendons un peu partout sur les réseaux sociaux, plus ou moins ces tendances, c'est-à-dire c'est dans ces résultats, on voyait plus ou moins, et j'allais dire en grippe, l'approche un peu, les interprétations du commun de mortels. Voilà. Et pour terminer, ma deuxième préoccupation à l'anthropologue, en début de sa présentation, elle a fait une comparaison entre Madagascar, je crois, et les cinq pays de l'Afrique, en l'occurrence la Côte d'Ivoire. Donc, en termes de causes, elle a parlé de causes culturelles. Et j'étais pour lui demander, est-ce qu'elle a aussi cherché à savoir un peu les causes historiques, sinon le système de développement économique de ces pays-là. Moi, je suis d'origine ivoirienne et je sais qu'après les années 60, le système de développement fut basé sur ce qu'on appelle le plan quinquennal. C'est-à-dire chaque 5 ans, il y avait une nouvelle approche du développement du pays. Est-ce qu'elle a cherché à comprendre ça? Si oui, est-ce que le Malgache aussi s'est appuyé sur ce système de développement économique-là? Est-ce que la persistance de la pauvreté n'est-elle pas aussi liée à ce manque de système politique au niveau du Malgache? Voilà. Merci bien. C'était là mes deux préoccupations. Merci, docteur Wilfried. Nous passons la parole à monsieur. Nous passons la parole à monsieur Yapo Régis pour ses questions. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour, chers collègues. Je remercie les présentateurs pour la qualité de leur présentation. Ma question s'adresse à nos collègues de la communication centrale, Jaffé Emmanuel, sur les conflits en Afrique. Parmi les causes endogènes des conflits, j'aimerais savoir à quel degré l'état de pauvreté de la population et la mauvaise gestion des ressources
par nos gouvernants provoquent les conflits en Afrique. C'est ma question. Merci beaucoup. Très bien, merci. Nous passons la parole à monsieur au doctorant de Bethel et la Malgache pour au doctorant et à la Malgache pour des éléments de réponse à la question de monsieur de Bethel et à la question de monsieur aux questions de monsieur Wilfried. Alors, la parole à qui veut la prendre, nous passons d'abord la parole au doctorant qui va apporter des réponses au docteur de Bethel et à la collègue et au collègue Wilfried. Merci beaucoup, docteur Gisney Essomé, de m'avoir accordé la parole. Bon, rapidement, comme élément de réponse que nous pouvons fournir à M. Jean Bethel, il avait deux questions. C'était de savoir, la première question, c'était que faut-il faire pour sortir des crises? Et alors, il a posé une seconde question sur l'africanisation, si je crois bien. Bon, maintenant, moi, j'aimerais bien dire qu'en ce qui concerne l'africanisation, moi, j'ai dit que l'africanisation est déjà la voie de sortie en matière de crise. Bon, maintenant, il reste à savoir ce que l'on entend par africanisation. Moi, ce que j'appelle par africanisation, c'est que l'Afrique doit plutôt se renfermer à elle-même. L'Afrique va plutôt se renfermer à elle-même en matière, donc, de gestion de ces crises. Parce que nous nous rendons compte que lorsque nous abordons l'interventionnisme occidental, à tout moment il n'y a que des interventions, les occidentaux viennent intervenir, ça crée encore plus de dégâts que de biens. C'est ça que nous avons proposé, l'africanisation. Donc l'Afrique doit se renfermer et valoriser ses propres produits. Et là, nous pouvons même faire appel aussi à certains rites traditionnels africains, comme peut-être garant de l'ordre public. Nous avons lu les travaux peut-être du professeur Grégoire Lefoba, qui est en train de parler peut-être d'une Jobi en Afrique et au Gabon, comme peut-être garant de l'ordre public. Parce que comment se fait-il que dans les villages, il n'y a pas des États, il n'y a pas peut-être des policiers, il n'y a pas des forces de l'ordre et autres, mais il y a quand même la paix dans les villages. Bon, mais maintenant, dans les villes, là où nous avons l'institutionnalisation, nous avons beaucoup de choses et tout, et il n'y a pas de paix, il n'y a que des guerres. C'est pour cela que je dis qu'il faut peut-être parfois les États, nous appelons donc les chefs d'État africains, à valoriser parfois les rites traditionnels, comme peut-être le Njobi, qui est un fléau que les gens connaissent bien. En tout cas, le Njobi, on sait ce que c'est. Bon, si on peut peut-être valoriser cela, ou encore institutionnaliser cela, je pense que ça va engendrer la crainte dans les individus, et alors nous n'aurons plus question d'avoir peur. Donc, ce sont les éléments de réponse que je peux apporter pour les questions de M. Jean Bethel. Bon, maintenant, en ce qui concerne Monsieur Wilfried, il a posé une question de savoir si l'on peut africaniser, si l'on peut s'africaniser dans un contexte où nous avons des interventions exogènes. Je dis que oui, c'est possible qu'on peut toujours s'africaniser. Je m'en vais rapidement dire oui, pourquoi? Tout simplement parce que nous pouvons prendre l'image de la Chine. La Chine, pour se développer, elle s'est renfermée à elle-même. Pour se développer, elle s'est renfermée à elle-même. Mais nous nous rendons compte que nous, en Afrique, lorsque nous avons besoin de nous développer, nous voulons toujours copier le modèle occidental. Et on sait que le modèle occidental ne va jamais nous aider parce que l'Occident a pensé l'institutionnalisation selon ses cultures, mais donc selon sa culture. Et nous savons que la culture occidentale est différente de la culture africaine. Nous ne partageons pas les mêmes cultures. Et à ce moment-là, il est difficile que nous puissions donc nous développer en contexte, donc dans le cadre donc de copier le modèle occidental. On ne peut pas se développer dans ces conditions-là. On ne peut pas. Mais donc, nous avons besoin de valoriser nos cultures pour qu'on puisse se débarrasser de ce que moi j'appelle le joug colonial. Bon, maintenant, en ce qui concerne la question du docteur Iyapo, il était en train de poser la question de savoir quel est le degré de la pauvreté. Bon, la question était de savoir quel est le degré de la pauvreté qui peut donc pousser la population à se révolter. Mais nous nous rendons compte que lorsqu'on va même parler des coups d'État ou bien encore des crises sociopolitiques qui se passent même encore en RCA, c'est toujours la pauvreté parfois qui engendre cela. Pourquoi? Il y a une classe sociale qui est parfois marginalisée. Mais donc, c'est la marginalisation qui est même le résultat même de ce conflit-là.
une classe sociale est marginalisée et après, on dit souvent quand votre affamé n'a point d'oreille. Et après, à force de trop rester affamé, ça va pousser la population à prendre des armes. C'est ça qui pousse en fait la population à prendre des armes. Pour donc chercher donc à prendre au moins, ou encore à s'exprimer, ou encore à se retrouver. Pour que la population puisse donc se retrouver, il va donc falloir qu'ils puissent prendre des armes. Mais donc, s'il y a trop de pauvreté dans un pays, ça peut aussi être un acteur, ou encore ça peut aussi être un phénomène, je vais dire, ou encore une dynamique même de création même encore de conflits. Ce qui résulte même un conflit, parfois c'est la famine, donc c'est la pauvreté. Donc, c'est ce que je peux dire en ce qui concerne les questions qui m'ont été soumises. Merci, collègues, pour vos éléments de réponse, espérant que M. De Vittel, M. Wilfried et M. Yapo ont été satisfaits de ces éléments de réponse. Alors, nous allons passer la parole à la Malgache pour ces éléments de réponse. Donc, il s'agit de Madame Fita Riana. Voilà. Je vous passe la parole pour vos éléments de réponse à M. De Vittel et à M. Wilfried. Oui, je vous remercie. Donc, je vais tout d'abord répondre à la question de M. De Vittel concernant la subjectivité de la recherche en tant que native. Je pense qu'en tant que chercheur en sciences humaines, on a toujours ce problème de subjectivité et d'objectivité dans les recherches. Tout en sachant qu'on ne peut pas développer l'Afrique si on n'a pas des chercheurs africains qui font des recherches sur leur pays. Donc moi, je pense qu'il est quand même possible d'avoir cette objectivité dans la manière de présenter ces résultats de recherche. Donc moi, je me base principalement en tant qu'anthropologue sur les citations des personnes et des individus interviewés ou avec lesquels j'ai pu interagir pendant les périodes de recherche. Ensuite, je vais répondre à la question de M. Wilfried sur le fait de se pencher sur l'histoire des pays que j'ai cités. Alors, il faut savoir que Madagascar est cité comme étant un cimetière de projets, c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de projets qui ont déjà été lancés dans le pays. Et malheureusement, en fait, par exemple, si un projet de développement commence à décoller, il y a toujours une crise politique qui vient interrompre donc les progrès réalisés à travers ces projets. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à toutes les questions. Alors, espérant que leurs collègues, Wilfried et Yapo, aient été satisfaits des réponses. Moi, je pense que vous avez donné des éléments de réponse convaincants. Donc, nous allons passer la parole à. Merci, madame collègue. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les questions. Voilà, vous restez donc en ligne. Nous passons la parole à monsieur Ouattara pour des questions. Monsieur Ouattara, vous avez la parole. Si Monsieur Ouattara n'est pas prêt, nous passons la parole à Monsieur Bini Paul pour ses questions. Monsieur Bini, vous avez la parole. Ok, merci professeur. Je tiens d'abord à féliciter les panélistes. Ma question s'adresse à Monsieur Jean-Emmanuel. Dans son exposé, lors de sa dernière diapositive, il a parlé de l'unique solution qui est l'africanisation. Et dans ses propos, au cours de son exposé aussi, il a évoqué la question de la désinformation. Donc, si l'unique solution est l'africanisation, je pense qu'au niveau de la désinformation, comment on peut résoudre le problème de la désinformation qui peut conduire à une éventuelle crise en Afrique. Et
toujours sur le volet de la solution où il a parlé de l'unique solution. Est-ce qu'il n'est pas trop prétentieux de dire qu'il s'agit de l'unique solution de sortie des crises en Afrique? Donc, c'est là ma question. Merci. Je vous remercie, M. Bini, pour vos questions adressées à Jean-Emmanuel. Nous passons la parole à M. Ouattara. Merci, M. le modérateur. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai une question qui s'adresse au Dr Hicham Saïdi. Et la question est : quelles sont les mesures qui ont été prises par le gouvernement marocain pour minimiser l'impact de la crise pétrolière sur le commerce extérieur du Maroc? Est-ce que je peux... Ok, oui, Monsieur Saïdi, vous pouvez. Bon, parmi les mesures qui ont été prises par le gouvernement marocain pour réduire, bien sûr, les effets sur la balance commerciale, bien sûr, à partir de l'année, comme j'ai déjà cité dans mon diapositive, qu'à partir de l'année 2013, le gouvernement a déployé des efforts concernant l'indexation limitée et partielle des prix ou bien de la subvention des prix pétroliers. Parce qu'auparavant, les prix du prix de pétrole, bien sûr, ont été subventionnés totalement par le gouvernement, ce qui pèse bien sûr sur l'enveloppe budgétaire de l'État. Bien sûr, pendant les périodes du pic des prix pétroliers, du prix du pétrole, principalement en l'année 2012, lorsque les prix ont atteint un score magique, allant bien sûr jusqu'à 140 dollars pour le baril. À cette époque, bien sûr, l'enveloppe de la caisse de la compensation, bien sûr, est appelée la caisse de la compensation, bien sûr, a s'élevé jusqu'à 56 milliards de dirhams. Bien sûr, ce qui représente presque la moitié du PIB du Maroc, qui peut aller jusqu'à 100 milliards de dirhams. Donc, c'est à partir de l'année 2013, le gouvernement, bien sûr, a pris la décision, bien sûr, de l'indexation totale du prix de pétrole. Et bien sûr, à partir de l'année 2013, où les prix, bien sûr, ont été, bien sûr, bas, bien sûr, sur le marché international. Bien sûr, le consommateur ou bien le pouvoir de consommateur n'a pas, bien sûr, été impacté à ce moment. Mais aujourd'hui, je parle sur aujourd'hui, bien sûr, le pouvoir d'achat a impacté négativement, bien sûr, suite à la guerre, bien sûr, entre la Russie et l'Ukraine. D'où les prix du pétrole, bien sûr, ils ont marqué un score magique, bien sûr, et même pour le pouvoir d'achat de consommateurs aujourd'hui. Nous avons bien sûr subi des répercussions, bien sûr, directes sur nos pouvoirs d'achat. Bien sûr, à ce moment, le gouvernement n'a pas pris beaucoup de mesures pour subventionner, bien sûr, ou bien pour protéger le pouvoir de consommateur. La seule la seule chose qui reste bien sûr subventionnée au Maroc, c'est le prix du gaz de butane, du butane qui est subventionné aujourd'hui, avec bien sûr la farine et le blé qui sont subventionnés aujourd'hui. Mais pour les prix les produits pétroliers ont été indexés totalement en 2015. J'espère que ces éléments de réponse ont pu satisfaire, bien sûr, la réponse de mon collègue. Et merci. Alors, merci, monsieur Saïdi, pour vos éléments de réponse. Monsieur Jean-Emmanuel, monsieur Nipol, vous posez la question sur la notion de prétention de vos affirmations dans les résultats de votre communication. Est-ce que avez-vous des éléments de réponse à la question, préoccupation du Sieur Bini-Paul? Vous avez la parole. Merci beaucoup, docteur Ghislain,
pour la parole accordée. Donc, la question de Monsieur Bini-Paul était donc celle de savoir si la désinformation peut donc faire partie peut-être intégrante donc, de l'africanisation, parce que j'ai restreint mes propos en parlant de l'africanisation. Bon, moi, quand je parle de l'africanisation, je suis en train de parler de tout ce que l'Afrique elle-même peut donc produire pour son développement, peut donc mettre en valeur pour son développement. Mais donc, quand j'ai abordé les politiques de lutte contre la désinformation, je me dis que les Africains eux-mêmes, mais donc là, ça concerne l'Afrique, donc les Africains eux-mêmes doivent lutter pour la désinformation. S'il faut lutter contre la désinformation, que faut-il faire? On doit peut-être valoriser les masses médias africains. Et là, nous sommes toujours dans le contexte de l'africanisation. Mais donc, dire que c'était peut-être un peu trop prétentieux, je pense que non, ce n'était pas peut-être prétentieux, c'est bien possible que l'Afrique puisse encore s'unir et valoriser ses produits pour son développement. Et moi, c'est ce que je pense. Parce que on va toujours dire que voilà, lorsqu'on parle de l'information, que c'est exogène. Mais c'est exogène lorsqu'il s'agit donc de l'intervention donc, ou encore des chaînes, des masses médias occidentales, excusez-moi autant pour moi. S'il s'agit des masses médias occidentales, à ce moment-là, nous sommes toujours en rapport avec eux. Bon, maintenant, les Africains, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas lutter contre cette désinformation? D'où nous proposons donc aux Africains de valoriser donc les masses médias africaines. Et si possible, on peut toujours étendre cela à l'échelle continentale. C'est bien possible. Mais tout cela n'est possible qu'à travers l'État fédéral de l'Afrique noire dont a parlé le professeur Théophile Obenga lorsqu'il parle de l'unité de l'Afrique. Mais donc, c'est ce que je peux proposer comme élément de réponse au collègue Bini-Paul. Je vous remercie. Si j'ai bien compris la question de M. Bini-Paul, je pense qu'il s'est aussi attardé sur la notion, sur l'adjectif « seul ». Donc, sauf si je me trompe, bon. Bini-Paul, M. Bini, est-ce que vous avez été satisfait de la réponse de M. Jaffet? Oui, merci. Merci, professeur. Bon, je pense que ma préoccupation a été satisfaite de manière partielle. J'ai demandé pour la dernière préoccupation de savoir si, lorsqu'il a parlé de l'unique solution, voilà, l'unique, est-ce que ça. Parler de l'unique solution n'est peut-être pas trop prétentieux? Voilà. Une seule solution, en fait, pour résoudre la crise en Afrique, en fait, sachant que l'Afrique contient plus de 50 pays, une seule solution pour résoudre toutes les crises en Afrique, est-ce que ce n'est peut-être pas trop prétentieux? Voilà. Donc, je pense qu'il devrait dire l'une. Vous avez la parole. Ah, monsieur... D'accord, docteur. Ah, merci beaucoup. C'est là que je suis en train de vous comprendre. Effectivement, j'ai parlé de l'africanisation. Il se pourrait que je puisse parler, que je puisse écrire l'unique. Non, mais je vais dire l'une, comme dit le docteur Essomé. C'est vrai que l'une des solutions pour la sortie des crises, c'est l'africanisation. Mais dire que c'est l'unique voie de sortie pour des crises, je dis non. Ce n'est pas l'unique, mais c'est l'une des voies de sortie pour les crises. D'accord. Nous avons maintenant bien saisi. Voilà. Merci beaucoup pour cette réaction, cette humilité scientifique. Nous passons la parole à Alex, Monsieur Alex Claudio. Oui, bonjour à tout le monde. Et j'aimerais bien aussi m'adresser à notre collègue Jaffet concernant la question de cette désinformation. Il parlait de désinformation et d'africanisation des informations, mais il faut aussi prendre en compte la désinformation que nous, Africains, avançons en ce moment parce que, je ne sais pas, en réaction de la pauvreté et tout ça, on a tendance à vouloir réécrire l'histoire avec s'approprier d'une autre civilisation telle que l'Égypte
Et ça contribue aussi à une désinformation, une sorte de repli dans un passé idéalisé. Et comment faire face à cela? Parce que ça entraîne aussi une sorte de cloisonnement intellectuel et un cloisonnement par rapport à l'action que l'Africain doit faire. Et donc, par rapport à cela, qu'est-ce que donc vous proposez? Parce que là, on vise toujours les Occidentaux ou les étrangers européens, américains et tout ça. Mais il faut aussi prendre en compte nous, Africains. Et concernant aussi cette solution que vous avez parlé, l'une des solutions finalement, avec la divergence et la réalité socio-économique et politique ici en Afrique continentale, parce que l'Afrique continentale ne se limite pas à l'Afrique subsaharienne, comment donc mettre en place concrètement du fait que chacun de ces pays ont leurs différents moyens économiques, leur réalité économique et leur contexte sociopolitique. Et ça peut aussi ne pas servir les intérêts des autres. Et donc, comment converger tout cela par rapport à la réalité de ce que vive l'Afrique? Est-ce que ce ne serait pas plutôt au niveau d'abord local et régional qui serait le plus réaliste par rapport à rassembler une Afrique désolidarisée et avec des contextes différents au niveau social, politique et économique. Merci beaucoup, Monsieur Chaffet. Monsieur Alex, très bien. Votre question elle est très pertinente, d'autant plus qu'effectivement, on a tendance aussi à globaliser, à avoir une approche trop globalisante lorsqu'on parle de l'Afrique. Nous, les Africains, généralement, effectivement, on se plaint de cela. Donc, je pense que votre question, elle est la bienvenue parce que vous proposez une approche beaucoup plus partielle et partialisée, je dis contextuelle et contextualisée. Vu que l'Afrique, effectivement, est multiforme, est, voilà, diverse, elle est diversifiée. Donc, mais je donne la parole à M. Jaffet afin qu'il puisse, si possible, apporter des éléments, des commentaires ou des réponses à la question de M. Clojo. Merci beaucoup, Dr. Ghislain. Donc, la question de M. Clojo, en ce qui concerne cette question, je vais dire rapidement que nous, lorsque nous allons parler des solutions pour la sortie des crises, on a proposé l'africanisation et donc l'unité de l'Afrique. Mais cette unité-là, on doit dire que c'est un processus. Il s'agit donc d'une procédure, c'est un processus. Mais on ne va pas déjà regarder l'Afrique en tant que nation dès lors que nous avons parfois des problèmes internes. Donc le défi à relever, c'est d'abord à l'intérieur des États africains. Mais donc c'est un processus. Si les États africains parviennent déjà à trouver, si les États africains, je veux dire, à l'intérieur, qu'ils puissent déjà trouver, en fait, des voies de sortie, c'est-à-dire qu'ils puissent déjà trouver, je veux dire, l'unité, s'ils parviennent déjà à installer l'unité dans les États, c'est bien possible que toute l'Afrique soit unie pour résoudre ces crises. Il est vrai que l'Afrique, normalement, partage une même culture, on va le dire comme ça. Parce que tout relève parfois des différences culturelles et autres. Mais on doit dire que c'est dû parfois au colonialisme, à l'impérialisme. Les Occidentaux sont venus, ils nous ont colonisés autres, et après ils ont installé leur culture en Afrique et c'est ce qui est en train de créer donc ces divergences. Mais donc si on peut repartir encore vers nos sources, vers nos cultures, nous valorisons nos cultures, il est bien possible que l'Afrique soit donc unie et ils peuvent donc mettre ou encore ils peuvent donc faire face aux problèmes des crises sociopolitiques. C'est vrai que ça doit d'abord commencer sur le plan local. Donc, à l'intérieur des États africains, ils doivent d'abord commencer à faire face. Ça veut dire que le gouvernement doit donc commencer à faire face aux questions. Bon, si on voit que le gouvernement ne s'en sort pas, on peut solliciter des aides aux États africains. Sachant que les États africains, ils peuvent rapidement venir en aide à leurs frères de fait de la culture. Ils partagent la même culture et autres. Donc, à ce moment-là, on peut rapidement venir en aide, même lorsque les intérêts sont là, mais les intérêts ne seront pas comme les Occidentaux. Parce que si les Africains exploitent les ressources africaines, le bénéfice sera à l'Afrique. Ça ne sera pas à l'Occident. Mais donc, le plus important, c'est que l'Afrique puisse se renfermer à elle-même. C'est ce que je peux dire comme élément de réponse pour M. Alex Clodieu. Très bien. M. Jean Jaffet Emmanuel, pour ce commentaire riche,
Nous espérons que Monsieur Alex Claudio a été satisfait de ce commentaire. Merci. Oui, je pense qu'il s'agit de positionnement, mais partiellement, oui, ça apporte des éléments d'explication, même si j'avoue qu'à un certain moment, je ne suis pas tellement satisfait du fait qu'on a tendance à trop uniformiser, surtout sur la culture, alors que nous savons bien qu'alors qu'avant de la colonisation, on se tapait entre nous, hein, on attaque le voisin, on vend les voisins en esclaves, c'était le cas à Madagascar, c'était le cas en Afrique continentale. Et donc, je pense qu'au niveau culture, ce serait un peu difficile, mais il faut voir la réalité en face. Nous sommes dans la mondialisation. Je pense que la solution, c'est ce soit surtout économique et une conscience politique pragmatique. Merci. Conscience politique pragmatique. C'est aussi très pertinent, c'est-à-dire effectivement mettre aussi en avant cette conscience politique dans nos États. OK, donc, Monsieur Jaffet, plus de commentaires, oui, quelqu'un d'autre? Oui, allez-y. Non, vous m'avez appelé, je ne sais pas. Oui, je me demandais si vous aviez quelque chose d'autre à ajouter, non? Bon, en fait, là, c'est le positionnement de Monsieur Alex Claudio. Je veux pas certainement lui obliger peut-être de suivre mon positionnement. Mais toutefois, je pense que ce qu'il dit est aussi très pertinent et ça mérite aussi d'être pris en ligne de compte. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et alors, est-ce que quelqu'un a d'autres un autre commentaire, une question à adresser aux différents communicateurs qui se sont succédés dans ce panel? Nous voyons le micro de M. Ousse qui est activé. Est-ce qu'il veut prendre la parole? Youse. M. Youse, 17-18-78-R. OK. Nous allons... Je suis aussi de retour. Ah. Modérateur.